Salut à tous et à toutes, ici c'est Tout en Vrac, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre 2-3 petites choses. Tout d'abord, vous trouverez les liens des skins que j'ai utilisés pour faire ce bureau. Et ensuite, je vais vous apprendre à comment dupliquer un skin Rainmaker pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Et je vais vous apprendre à bien jouer avec la transparence des skins, savoir à quoi ça peut servir et comment ça peut rendre assez stylé. Et également à bien utiliser le positionnement, savoir à quoi il sert et ce qu'il peut apporter. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Bien, alors nous voici pour l'installation des skins. Alors, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis. Et puis, vous voyez, on n'a pas le téléchargement ici, le download. Eh ben, il faut ouvrir les yeux. Il y a des grandes flèches rouges ici. Click to download. Enfin, click here to download. Alors, vous downloadez le machin. Et vous voyez qu'il y a patienté, machin. Vous patientez le temps qu'il faudra. Voilà. C'est déjà fini, c'est magnifique. Vous faites passer l'annonce et là, alors il y a une page qui s'ouvre, on la ferme vite et le téléchargement se lance tout seul. Et vous faites enregistrer le fichier. Bien, vous attendez les 5 secondes encore une fois. Une fois qu'il est téléchargé, vous lancez votre fichier et vous allez le chercher dans téléchargement. Vous le coupez. Vous voyez que ici, il ne nous a pas proposé directement d'installer. Il faut passer par une autre étape, vous le coupez. Vous venez aller chercher votre dossier. Celui-ci, vous, oui, je sais, il était là, c'est pas grave. Vous cliquez sur Rainmaker, Skin, et vous l'importez, vous le collez. Alors, moi, il y a déjà remplacé le fichier dans la destination. Oui, on remplace, voilà. Ensuite, vous faites clic et vous faites Extract Here. Et moi, je vais remplacer parce que c'est le même. Et voilà, vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur celui-ci et à l'installer. Et vous allez voir, c'est magique. Quand ça s'installe, qu'est-ce qui se passe? Bon, il m'a fait une feinte, il m'a fait une feinte. Donc, non, normalement, vous n'auriez aucun, vous allez avoir aucun message. Moi, c'est sûrement ce qui était déjà installé, etc. Donc voilà. Mais vous n'allez avoir aucun message et il s'est parfaitement bien installé. Bien. Alors, par contre, je veux, voilà, merci. Alors, maintenant, nous allons passer au deuxième, le skin ici, le Project Circular Frost Dragon. Vous le downloadez. Il est un peu plus spécial que l'autre. Vous faites ouvrir avec Internet Explorer, machin, avec Windows Explorer. Bon, vous attendez un peu. Alors, une fois qu'il est fini, il va vous ouvrir le fichier. Vous cliquez sur Temp. Vous faites clic droit, couper. Vous allez dans Documents, dans Rainmaker, Skin. Et vous le collez ici. Et après, vous faites extraire. Voilà. Et donc, vous pouvez tout regrouper. Normalement. Voilà. Voilà, et c'est bon en fait. Vous ne faites rien, vous laissez comme ça. Et maintenant, logiquement, si tout a été bien fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, faites que ça fonctionne. Faites tout actualiser. Et bingo! Et vous avez le skin Project Circular Dragon qui a été installé sur votre ordinateur. Alors le petit bug, on a l'habitude, hein. On ne s'inquiète plus, c'est normal chez moi. Donc voilà, et donc il a été parfaitement bien installé. Et pour retrouver votre truc qui tourne, c'est lequel? Après il faut chercher les amis. Enfin bref, en tout cas, le skin est installé. Ça, vous pouvez en être certain. Vous n'avez plus qu'à trouver ce que vous cherchez. Vous voyez, il y a des choses qui tournent, etc. Moi, je veux juste un truc qui tourne. Je veux mon propre project. C'est quoi ça? Non, moi, c'est pas celui-là que je veux. Vous savez, j'en avais... Ah, c'est ici, je crois. Voilà, Rotator. Moi, je veux celui-ci. Voilà. Ah, mon Dieu. Eh, mais bouge, voilà. Donc voilà, donc moi j'étais comme ça et je suis bien. Ah oui, il y a aussi l'horloge. Enfin bref, je remettrai tout moi. Sur ce, à tout de suite pour le reste. Bien, maintenant nous allons passer au duplicage d'un skin Rainmaker. Alors c'est très simple. Vous allez ouvrir votre document. S'il te plaît, voilà, merci. Vous allez dans Documents. Vous sélectionnez Rainmaker. Skin. Vous ouvrez, on va prendre le néon Space Demo pour aller chercher le Neon Light. Et vous voyez, moi je l'ai déjà copié une fois. Vous faites simplement clic droit,
copier, ou CTRL-C pour les pros, hein, et CTRL-V ou clic droit coller. Vous attendez, ça se colle, vous n'avez plus qu'à aller ouvrir Rainmeter, vous faites tout actualiser, vous allez dans namespace, et là vous pouvez constater que vous avez Neonlight, copy, copy 2. Vous prenez copy 2 et vous reprenez n'importe lequel. Et voilà. Et de ce fait, maintenant, vous avez trois néons. Et le mieux en plus, c'est que ça marche vraiment. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y en a un qui va bugger. Non, les trois vont fonctionner. C'est pas qu'il y en a un qui va fonctionner. Vite fait, vous montrer ça et c'est fini. On a encore eu le petit bug. Lol, bon ben on va passer à la suite. Alors nous voici pour la dernière partie qui concerne la transparence de vos skins ainsi que la superposition, la position, etc. Donc je vais vous montrer simplement, alors quand je vais ici, voilà, il n'y a rien et pourtant quand je vais dessus, ça apparaît. Alors comment j'ai fait ça? Vous faites un clic droit dessus et vous allez dans gérer les skins. Voilà, ça va vous ouvrir directement le skin que vous voulez et vous allez pouvoir le gérer. Alors j'ai mis normal, position normale et une transparence de 100%. Alors, dans la transparence de 100%, par exemple, quand vous mettez 100% et diminuer, c'est-à-dire qu'elle est diminuée de 100%. Donc, vous ne la voyez plus. Le seul moyen de le voir, c'est d'aller dessus. Maintenant, si vous augmentez de 100%, ça veut dire qu'il va être visible. Par contre, quand vous allez aller dessus, on ne le verra plus. Alors, vous pouvez vous demander à quoi ça peut bien servir. Ça, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Avec... je vais laisser ça comme ça, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite avec celui-ci. Celui-ci, par exemple, si je fais gérer le skin... et que je le mets en 100% augmenté, voilà, ça va me permettre par exemple d'aller mettre la corbeille là, et si je le prends, ouais, évidemment, pour le prendre, il faut que je le diminue, voilà, regardez, je vais mettre la corbeille ici, et si je fais, on va d'abord le positionner, je l'ai mis où les gens? Ici. Je le positionne là, par exemple, comme ça. Voilà, on voit plus la corbeille. Et je fais augmenter, on voit plus la corbeille. Par contre, je peux très bien venir ici et hop, cliquer dessus. Et pourquoi je peux pas cliquer dessus? Parce qu'il n'y a pas cliqué à travers. Et donc, vous mettez cliquer à travers, et là, aucun problème, vous pouvez ouvrir votre corbeille. Voilà. Quelque chose de subtil pour rendre votre dossier corbeille classe et savoir toujours l'utiliser. Bien que, si vous faites ça, bien que avec celui-ci, par exemple, vous n'avez pas besoin de faire ça à la base, parce que bon, c'est un truc qui vous permet de cliquer dessus et ça ouvre la corbeille en fait directement, voilà. Donc c'est des petites astuces qui peuvent servir ou pas. Mais voilà, ça vous montre en fait ce que vous pouvez faire avec la transparence. Bien. Maintenant, nous allons aller masquer, je sais pas ce que c'est, on va essayer avec vous. Hop, masquer, on va faire normal. Ah ben masquer, c'est ça, simplement. Masquer, c'est quand vous allez dessus, ça masque. C'est un peu le même que l'autre. Sauf que l'autre, bah, c'est suivant l'intensité. Voilà, vous pouvez aussi. Parce que moi, j'avais mis 0, mais par exemple, si vous faites augmenter, voilà, ça va se voir complet. Quand vous allez dessus, ça va diminuer là. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Vous pouvez vraiment jouer avec ça. Voilà. Et je vous montrerai plus ou moins ce que vous pouvez faire. Genre, ça, je trouve ça vraiment super classe. Bien. Maintenant, nous allons aller dans les positions. Il y a sur le bureau, en fond, normal, premier plan, et rester au premier plan. Premier plan, il va passer devant les autres choses. Par contre, si vous lancez une page internet, par exemple, il est possible que. Ce soit la page internet qui prime. Ou pas du tout. Peut-être lors des jeux, je ne sais pas. En tout cas, moi, pour plus de sûreté, quand je veux qu'un truc reste au premier plan, je fais rester au premier plan tout le temps. Puis, il y a normal. Il y a en fond sur le bureau. En fond, c'est que ça va se mettre derrière tout le reste. Voilà, vous voyez qu'on voit bien que ça passe devant. Et donc, vous pouvez faire des assemblages. Par exemple... vous pouvez dire que ça, c'est en fond. Et que ça, on va essayer, hein, les amis. On peut essayer de faire des assemblages et on dit que c'est en fond aussi. Et donc, voilà, vous voyez que il passe à travers. Il passe devant celui derrière et avant l'autre. Ce qui donne un effet de perspective, et etc. C'est sympathique. Donc, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Et maintenant, un dernier petit truc. C'est, par exemple, quand vous regardez un film ou quand vous jouez à un jeu vidéo, vous qui êtes des gros geeks, hein, ou pas du tout, je ne sais pas, mais bon, voilà. Eh bien, ah là, il y a une page internet qui s'est ouverte, c'est pas grave.
Eh bien, vous pouvez toujours avoir l'heure grâce à cette façon de superposition. Pourquoi? Regardez en haut à gauche, j'ai l'heure tout le temps. Même quand je joue à un jeu vidéo full écran, j'aurai tout le temps l'heure, pas besoin de regarder mon GSM ou quoi. Simplement, car je l'ai mis resté en... Wow! Mais... Oh, voilà, excusez-moi. Simplement parce que j'ai mis resté en premier plan. Voilà, et j'ai mis une transparence pour dire en faire en sorte que ce soit pas flash comme ça, et que ça me dérange pendant que je regarde mon film ou quoi. Comme ça, je le vois du coin de l'œil, il n'est pas dérangeant, il est mis en opacité réduite pour justement ne pas me déranger pendant que je regarde mon film. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Attendez, je vais au moins vous dire au revoir correctement. On va quitter... On va quitter... Non, tais-toi. Voilà. On va quitter ça, voilà. Donc voilà, j'espère que ces 2-3 petites choses vous auront plu. Qu'elles vont vous apprendre à mieux structurer votre bureau et à faire des choses assez sympathiques. Et je vous dis à plus tard pour de nouveaux tutoriels. Ciao les gens, enfin de nouveaux tutoriels ou même vidéos. Ciao les gens, c'était tout en vrac et passez une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Ciao.